guerre. Aujourd'hui, mon père m'a appris ce que ce mot signifiait. Il m'a expliqué que c'est ce qui nous attendait si l'État cessait de nous protéger. Sans l'intervention de l'État, l'humanité sera condamnée. Le taux de criminalité est proche de zéro, notre objectif. L'État est votre meilleur ami dans l'obscurité qui nous entoure. L'État veille sur vous et sur votre famille. Notre État est plus fort que jamais. Notre leader, le directeur, tient à vous remercier pour votre travail et votre dévouement. Tous unis, nous gagnerons la bataille. Nous savons qu'ensemble, nous allons reconstruire le monde. Le directeur est au courant de tous les efforts que vous faites. Il récompensera toutes les bonnes actions, mais punira tous ceux qui menaceront l'État ou ses citoyens. Pourquoi ça prend autant de temps? Inutile de vous énerver. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Tout va très bien se passer, j'en suis sûr. Calmez-vous, ça va forcément s'arranger. Quand la transaction sera finie, nous quitterons le pays immédiatement. Vous devrez nous soutenir. J'ai pris mes dispositions. Il reste des endroits où les caméras ne peuvent pas filmer. J'espère que vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est un plaisir de travailler avec vous. Est attendu pour les célébrations de la journée de la Fédération. N'oubliez pas de demander votre autorisation de circulation avant de vous déplacer. Tous les mouvements de foule seront surveillés. La sécurité de tous nos concitoyens est notre première préoccupation. Bonjour à tous, mes fidèles amis. Que Dieu vous protège. Nous avons survécu à une guerre épouvantable il y a de cela quelques années. Nous avons traversé des moments terribles. Nous avons perdu des amis très chers. Des mesures ont été prises afin que cette apocalypse ne se reproduise jamais. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-il advenu de nos âmes, de notre droit à pratiquer une religion, de notre droit à conserver notre libre arbitre à chaque seconde de notre existence? L'État a rempli sa mission, la race humaine a survécu, mais il est temps de retrouver la foi. Il est temps également de revenir à la démocratie. Il est temps de savourer à nouveau la liberté et de reprendre goût à la vie. Veuillez nous excuser pour ces désagréments. Les images que vous venez de voir sont tout à fait illégales et ne devraient pas être diffusées lors d'un programme officiel de notre État. Je suis là, je suis là.
C'est une jeune femme extraordinaire. La beauté, c'est le pouvoir. La silhouette d'une femme, son sourire, ses yeux touchent droit le cœur des hommes. Et est-ce qu'elle est à vendre? Dans ce pays, cher ami, absolument tout est à vendre. C'est exactement là où je veux en venir, messieurs. En ce moment, l'État sait tout ce qui se passe et prochainement, l'État possédera tout ce qui nous entoure. Les enfants qui naissent aujourd'hui dans cet État ne sauront jamais ce que c'est que la véritable liberté. Ni même une conversation intime. J'ai entendu dire que certaines personnes n'avaient aucune restriction et étaient libres. Qu'elles étaient exemptées de toute surveillance. Vous voulez parler des opérateurs de l'État? Ils ont le droit de tuer. Ils sont infiltrés parmi nous. Et entraînés pour éliminer tous les ennemis de l'État. Venez, écoutez. Nous avons une petite fenêtre pour agir. Nous pouvons réagir maintenant, ou bien continuer à laisser l'État faire ce qu'il veut de notre liberté. Vous êtes dans une situation très délicate. La seule chose véritablement nécessaire pour triompher du mal, c'est d'espérer que les hommes de valeur finissent par se réveiller. Trop de personnes parmi nous sont habituées à profiter de la situation, sans aucune culpabilité. L'indifférence. Le silence. Le laisser-aller. La nonchalance. Tout ça, c'est terminé. Ce temps-là est révolu. Bon. Si vous voulez bien m'excuser, je voudrais profiter des avantages que la notoriété m'offre de temps à autre. Alors, chérie, où es-tu? Dépêche-toi. Ton papa t'attend, et il commence à s'impatienter. Encore une minute, mon amour. Je suis en train de me faire belle pour toi. N'oublie pas de te maquiller. Tu sais que ça m'excite. Mets beaucoup d'eyeliner et de mascara, chérie. Vas-y, mets la dose. Vivons le moment présent. Prenons exemple sur notre ami. Laissons-nous aller. Non. Alors, ma puce, pourquoi t'es si longue? Dépêche-toi! C'est bon, j'arrive. Viens montrer ton joli cul à papa. Oh, merde! C'est quoi ce bordel? Inutile de nous tuer tous les deux. Laissez-la partir. Est-ce que je peux prendre une petite bouffée ?
Vous savez pourquoi j'ai fait de la politique? Parce que je croyais que je pourrais changer les choses. Et maintenant, je me rends compte que les gens qui ont le pouvoir veulent en avoir encore plus. Je viens de le réaliser. Vous êtes devant moi, avec une arme, prêt à me tirer dessus. Et je n'ai pas peur. Je me sens jeune. Je trouve ça amusant. Car c'est à la fin que... vous redevenez ce que vous étiez au début de votre vie. Appuyez sur la détente. Le 159. Votre statut? Opérationnel. Votre cible? En route. Bienvenue chez toi, Axon. J'espère que tu as passé une bonne journée. Tu as 0 message. Durant une trentaine d'années, doit nous servir d'exemple à tous. Tu as un message qui vient d'arriver de la part du contrôleur. Fais-moi écouter le message. Retrouvez-moi à l'endroit habituel à 3h35. Thank you.
Vous êtes en retard. Vous n'êtes jamais en retard. On a un problème. Avec votre mission. Quel est le problème? Vous étiez censé éliminer toutes les personnes. Oui, je sais. Il y avait une femme. Elle n'était pas une menace. C'était inutile de la tuer, selon moi. On ne vous a pas demandé votre avis, mais d'obéir aux ordres. Vous allez devoir me rendre vos armes. Et ensuite, vous devrez nous faire un rapport. Vous faire un rapport? Je suis en train de vous en faire un. Je vous connais depuis très longtemps, Condor. Mais je dois vous sanctionner. Est-ce un problème de loyauté? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le directeur veut vous voir parce que... vous avez désobéi aux ordres, et il veut savoir pourquoi. La seule fois où un opérateur est convoqué chez le directeur, c'est lorsqu'il doit être reprogrammé. Ne doutez pas de moi. La toute première chose que vous m'avez enseignée, c'est de douter de tout le monde. Non. La première chose que je vous ai enseignée, c'était de suivre les ordres. Posez votre arme. Immédiatement. Non, monsieur. Oh, si, monsieur. La reprogrammation a bien lieu. Elle ne durera pas très longtemps, si vous coopérez, bien évidemment. Vous serez un homme neuf, tous vos souvenirs et vos sentiments auront disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ce sera comme une renaissance. Tout à fait, une vraie renaissance. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Je vous envierai presque. Vous n'avez qu'à faire la même chose. Vous vous débarrasseriez de tous les souvenirs de trahison que vous avez sur la conscience. Faudrait-il encore que j'en ai une? C'est une situation qui est inexcusable. Vous êtes contrôleur. Votre responsabilité est donc engagée. Sans aucun doute. Il s'agit d'Axon Ray. C'est l'un de vos hommes? Oui, c'est l'un des miens. Nom de code, Condor, vétéran de guerre, médaille du courage, blessé à 3 reprises, puis démobilisé, aucune famille identifiée, une 30aine de récompenses diverses. C'est un cas, cet homme. Je suis très impressionné. L'État a de nombreux ennemis. Assurément. Nous allons essayer d'en éliminer certains. Toutes vos histoires m'ennuient. Je vais t'attendre dans le jacuzzi. Ça ne va pas durer très longtemps. Je veillerai à ce que l'eau reste très chaude. Sache que le temps passé loin de toi me blesse le cœur telles les épines d'une rose. Nous ne devons pas revenir à la situation d'avant-guerre. Nous avons perdu trop de temps et fait trop d'efforts. Trop de vies ont été sacrifiées afin de retrouver l'ordre. L'équilibre est quasiment là, maintenant.
Ma préoccupation principale aujourd'hui sont les diffusions illégales. Nous avons d'ailleurs supprimé un des intervenants ce soir, mais un autre le remplacera très vite sans doute. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui réussisse à éliminer tous les futurs candidats. Condor est le meilleur. Son attitude de ces dernières 24 heures me donne cependant l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas. Comment pensez-vous gérer les choses ? Reconditionnement. Oh, un reconditionnement. Vous suggérez un séjour au Goulag ? Le Goulag 7, pour être plus précis. Ce sont vos différentes expériences concernant les comportements humains, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Je préfère imaginer que c'est une opération qui élimine le burn-out chez tous nos opérateurs qui ont été fragilisés par une faiblesse intérieure souvent due à une histoire sentimentale. Ces gens sont déstabilisés par un sentiment d'amour, de pitié, de compassion, faiblesse on ne peut plus humaine, oserais-je dire. L'amour. La conscience humaine est extrêmement malléable. Elle peut être reformatée afin de remplir nos objectifs. Je sais comment il faut faire, et je vais le faire. Il va devenir votre arme parfaite. Levez la main. Lorsque je fais ça, essayez de la relever. Vous voyez, quand je relève vos doigts, vous vous relevez. Quand j'appuie, vous vous écroulez. Quand je relève, vous vous relevez également. Toutes ces actions sont destinées à vous manipuler. Néanmoins, elles ne sont pas destinées à vous faire souffrir. Ce sont des actions qui réussissent à vous manipuler parce que je suis un adepte de la pensée pure. Qualité qui est indispensable aux combattants de la guerre ultime. Un individu tel que celui dont je vous parle est doué plus spécialement pour une chose, le meurtre. La mort. Ce qui est mauvais pour l'État. Doit être éliminé. Non, pas cet homme. Nous en avons besoin. Je sais reconnaître la valeur chez un individu. Soyez-en convaincu. Je peux même vous dire que n'importe qui d'autre serait mort à sa place. Nous avons besoin de cet homme pour contrôler la situation. L'un des premiers collaborateurs que j'ai eu s'appelait Titan. C'était comme un fils pour moi. Il était l'arme parfaite. Cependant, je n'ai eu d'autre choix que de l'éliminer. Serait-il raisonnable pour nous d'éliminer le seul homme qui fait le lien entre nous et l'insurrection ? Par peur de ce qu'il pourrait bien faire ? Très bien. Prouvez-moi que j'ai tort en faisant de lui l'arme parfaite. Je m'y engage.
Mais qu'est-ce que vous attendez? Déclenchez l'alarme! Sale traître! Même si par miracle tu survis à cette journée, sache qu'il y a des millions d'hommes prêts à te tuer! En ce moment, pour moi, même si je suis seul contre un million, je me sens encore chanceux! Nina. Non. C'est impossible. J'étais présent. J'étais là à ton enterrement. J'ai porté ton cercueil. Avec les gens de l'État, on t'a mise en terre. C'était un double. En fait, le cercueil était vide. C'est comme ça qu'ils font pour éliminer les gêneurs. Mais à cette situation, j'aurais préféré la mort. Oh mon Dieu, il faut qu'on sorte d'ici. Dépêchons-nous. Tu saignes beaucoup. Tu vas mourir si on n'arrête pas l'hémorragie. Allez, viens. Ça va aller. Garde les yeux ouverts. Là, ici. Nom de Dieu. Ouvre les yeux, Axon. Garde les yeux ouverts, surtout. Essaie de me parler et garde les yeux ouverts. Ouais. Ouais. Je l'ai trouvé, c'est bon. Ça risque d'être un peu douloureux. Oh. Ça soulage. C'est vrai? Ouais. Ouais, ça va mieux. T'es revenu pour moi? Non, je suis pas revenu pour toi. J'étais sûr que t'étais morte. Ma mission, c'était... Je sais pas, j'y comprends plus rien. Il faut qu'on s'en aille. Vite, dépêchons-nous. Il faut plus tarder. Là, les escaliers.
Allez! Viens! Merci d'avoir le sourire quand vous arriverez au travail et soyez fiers de faire partie de la famille de notre État. Chacun de vous est très important. Ceci est un message important pour le public, un avertissement. Deux terroristes, encore non identifiés, ont lancé une attaque contre les locaux de l'État. Ils sont lourdement armés et représentent un grand danger. Ils sont une menace pour nos biens. Si jamais vous apercevez cet homme ou cette femme, veuillez prévenir les autorités immédiatement. Il faut y aller. Tu crois pas qu'ils seront à nos trousses ? Sans doute. Mais il faut qu'on retourne chercher nos armes, et il faut qu'on change de véhicule, ok? Mais t'as raison. Ils feront tout pour nous avoir. Y'a personne. C'est bon. Bienvenue chez toi, Axon. J'espère que tu as passé une bonne...
Ils nous surveillent à travers tous ces appareils. On pourra pas quitter la ville avant le lever du jour. Ce sera pas évident. Prépare-toi. Je me sens redevenue humaine. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ça? Ouais, bien entendu. Tout le monde croit que je suis morte. Ce bâtiment est... C'est là où ils envoient les gens comme nous lorsqu'ils en ont fini avec eux. Ils les laissent crever comme des machines hors service. Ça fait longtemps que j'ai l'impression d'être une machine. Mais grâce à toi, je me sens à nouveau vivant. Le jour où tu es morte, je suis mort avec toi. Il faut que tu saches que j'ai besoin de toi autant que toi, tu as besoin de moi pour t'en sortir. Rassure-toi, ensemble on va y arriver. Je sais qu'on va s'en sortir. J'ai juste besoin de savoir. C'est le directeur qui a tout orchestré. Comment ça? Il tenait absolument à ce que tu ailles au bout de ton entraînement. Ils ont consacré énormément d'énergie pour que tu deviennes une incroyable machine à tuer. L'arme idéale pour effectuer leur sale boulot, tu vois. Ils refusaient que quelqu'un comme moi éprouve des sentiments pour toi. Et veuille à l'avenir fonder une famille. J'avais l'espoir qu'on puisse vivre un jour sans l'intervention de l'État. Mais je sais très bien qu'un tueur professionnel ne peut s'embarrasser avec tes sentiments. Ils ont essayé d'effacer ta mémoire à jamais. Et ils savaient que mon décès était la dernière partie d'humanité chez toi, qu'il leur faudrait toujours combattre. Mais ils ont échoué. Parce que je t'ai retrouvé. Non. Axon. Thank you.
ferme-la. Axel, lâchez-la. Le voici enfin, le légendaire Condor, qui en fait n'est rien d'autre qu'un traître à la nation. Vous avez tué 12 de mes hommes. Il se trouve que je les aimais beaucoup. Vous avez des cicatrices partout. Mais dites-moi, savez-vous ce qui fait réellement mal ? Bravo, Condor. Je vois que vous allez me donner du fil à retordre. Ceci n'était qu'une petite mise en bouche. Un beau sourire à la caméra. Vous êtes filmé en direct sur notre merveilleux réseau de communication privé. Sache que lorsque j'en aurai fini avec toi, il ne restera aucun agent susceptible de nuire à la grandeur de notre état. Chers amis spécialistes du mal, ceci est un message qui vous est destiné à tous. Voici ce qui pourra vous arriver si vous essayez de vous rebeller contre notre état. Voyons voir. Je suis certain que vous n'auriez pas réussi à faire tout ça sans avoir de complice à l'intérieur de l'État. La question qui reste aujourd'hui est de savoir qui est ce complice. Oh ! Les ongles de vos orteils ont besoin d'une petite pédicure. Ah ! Machines, les ordinateurs qui servent à reconditionner, sont bien moins efficaces que la torture. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, hein? Je vais t'arracher les dents. Non. Elles vont sauter une par une de cette vilaine bouche. Non. Je veux connaître le nom de cette personne. Non. Non. Vous en avez marre, sans doute. Je vous rassure, moi aussi. Tout ce que je veux savoir, c'est comment il s'appelle. Quel est votre plan, Condor ? Où projetiez-vous d'aller ? Nous sommes partout. Nous savons tout ce qui se passe. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié votre charmante séquence sous la douche. Vous savez, quand j'en aurai terminé avec vous, j'irai rendre une visite à votre fiancée. Je verrai bien si elle est aussi dévouée avec moi. Vous le savez, je sais être très persuasif quand je le veux. Où est-elle ? Pas très loin d'ici. En sécurité.
Je suis heureux que vous ayez eu la joie de fourrer votre queue dans cette jolie, très jolie, petite chatte. Parce que je sais maintenant quelle partie de votre personne vous affectionnez tout particulièrement et refusez de perdre. Baissez son pantalon. Non. Arrêtez, ça suffit. Même si c'est un traître. Il s'agit de mon projet. Alors je refuse que vous découpiez sa virilité pour votre amusement. C'est hélas une nécessité. Vraiment. Vous pouvez me croire, monsieur. Il a quasiment avoué ce que je voulais savoir. Quasiment. Quelqu'un en interne collabore avec lui. Je crois qu'il ignore son identité, mais je vous assure que je finirai par savoir de qui il s'agit. Quelqu'un en interne a interrompu son reconditionnement avant qu'il soit vraiment terminé. Je vous confie la tâche de retrouver cette taupe. Faites-moi confiance, monsieur. N'ayez pas le moindre doute. Je vais mener mon enquête et je découvrirai qui a interrompu le processus. Nous saurons très prochainement de qui il s'agit. Mais avant ça, je vais tuer ce traître. Ça servira de leçon à cet enfoiré et à tous les autres. Non. Il s'agit de mon projet, je suis le premier concerné. Ce sera donc moi qui le tuerai. Bien, monsieur. Vous avez connu des jours meilleurs, n'est-ce pas, camarade ? Éteignez la caméra. J'ai pas le temps de vous expliquer. Il faut sauver Nina. Où est-elle ? Venez, vite ! Nina ! Il faut qu'on s'en aille. Je vais vous conduire dans un endroit sûr. Faites-moi confiance. Notre directeur vous souhaite à tous une joyeuse fête de la Fédération. Il vous remercie de votre dévouement à notre État. Puisse notre directeur vivre longtemps. Vous avez fait bon voyage ? Prenez votre temps pour sortir. Quoi, cet endroit ? C'est ici que tout se passe. Nous sommes la Résistance. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut agir ce soir pour que ça fonctionne. Que quoi fonctionne ? Votre mission. Quelle mission ? La liberté. De quoi est-ce que vous parlez ? Il faut qu'on élimine le directeur. Quoi ? Son quartier général est fortifié comme un bunker. Vous ne réussirez jamais à y entrer. Et même si vous y arrivez, il y a des codes qui changent toutes les heures. C'est l'homme le plus protégé sur cette terre. Non, pas ce soir. Il est protégé en permanence. Pas ce soir. C'est la fête de la Fédération, et les gardiens sont en service minimum. C'est pareil tous les ans. Ils sont combien ? Il y a 10 gardiens qui entourent le directeur. Et il ne va pas se mêler à la foule pour la fête ? Le directeur n'est pas du genre à faire la fête. Il célèbre l'événement à sa façon. Montrez-lui. Cette femme, c'est Kyoto Shima, fille unique de Toshio Shima. Après que le directeur ait fait assassiner son père, elle est partie vivre avec lui. Ce qui signifie que c'est une alliée. Non, elle est tombée amoureuse de lui, le syndrome de Stockholm. Ouais, elle lui restera fidèle envers et contre tout. Mais tous les jours, à 10h30 très précise, elle quitte l'immeuble. Le directeur l'autorise à apporter des vivres à sa famille à Little Tokyo. C'est là où vous intervenez. Si on se débrouille bien, vous pouvez entrer à l'intérieur. C'est très important, alors soyez très attentifs à cette démonstration. La sécurité sera minimale après 21h. La maîtresse du directeur s'en ira à 22h30 précise. Sachez que ce sera notre seule et unique chance. Quand ce sera fini, vous nous retrouverez à l'église. Voici le code d'accès à son appartement. Mémorisez-le.
D'accord, mais ce code d'accès peut changer à tout moment. Très juste. Il change souvent, sauf quand Koyoko doit quitter et retourner dans le périmètre concerné. Son code d'accès ne fonctionne que jusqu'à 22h40. Ce qui signifie que vous aurez seulement 10 minutes pour entrer. Est-ce que tout est clair ? Autre chose, sachez que vous n'êtes pas seul sur cette opération. Ce n'est que le début, Condor. L'insurrection ne fait que commencer. Le directeur s'est fait de très nombreux ennemis pendant toutes ces années. Il sait que sa chute est proche. C'est d'ailleurs ce qui le rend dangereux. J'attends de vous que vous l'éliminiez le plus vite possible. Tout simplement. Et si jamais, par malheur, nos ennemis s'en prenaient à moi ? Qui veillerait sur Nina ? Moi, bien sûr. Je vous le jure. Même si je sais qu'elle saurait se débrouiller. Condor, nous comptons sur vous. Vous allez y arriver. Le véhicule sera là dans une heure pour vous conduire sur zone. Vous pouvez aller vous préparer si vous le souhaitez. Prenez votre temps. Reposez-vous un petit peu. La nuit risque d'être assez longue. Bonne chance. Promets-moi que tu vas y arriver. Promets-moi aussi que tu vas pas mourir. Bien sûr. Je te le promets. Tu y vas ce soir. Et après, tu me reviens. On recommencera la vie comme avant. On se refera plein de beaux souvenirs, d'accord ? D'accord. Faut que tu me promettes que tu seras très prudent. Promis. Mais me quitte plus jamais. T'inquiète pas, je suis une grande fille, je sais veiller sur moi. Tout ce que je veux, c'est que tu me reviennes. Je reviendrai, t'en fais pas. Tu crois qu'on peut faire confiance au contrôleur pour libérer ces personnes ? N'aie confiance en personne. Tu m'entends ? En personne. Hé, hey, qu'est-ce que vous foutez là ? Après, vous aurez tout le temps pour ça. Dépêchez-vous, il faut qu'on s'en aille. Cronus. Vous êtes dans le coup, vous aussi. C'est pour vous, monsieur. Tenez. Merci. Également étudier l'herboristerie, les massages. Chaque méridien de ton corps est un organe. Tout chez nous est connecté. Tout est connecté à notre système nerveux. Tout est connecté à notre cerveau et à tous nos organes vitaux. La colonne vertébrale est le support du dos et de nombreux nerfs s'y rejoignent. Il faut masser les reins, le foie, le cœur, la rate, tous les organes. Il faudra que je t'enseigne cette science afin que tu me masses aussi. Hé, Cronus. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tout ça ? Monsieur, je ne fais que mon devoir. Je vous ai vu sous la torture, et je vous ai vu avoir le courage de résister. Si j'ai fait ça, c'est que je n'avais pas le choix. Vous l'avez. Quand je repense à toutes les vies innocentes que j'ai supprimées, j'ai honte, et désormais je vais changer.
si elle sort pas. Alors la mission aura échoué. La voilà. Absolument tout. Dites-moi, qu'est-ce que la vérité à vos yeux ? La vérité ? La vérité, c'est ce qui est incontestable. Les faits ! Tout ce qu'on entend est toujours subjectif. Ce n'est pas réellement un fait. On voit toujours les choses à travers nos propres yeux. Ce n'est pas nécessairement la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai du mal à vous suivre. Je veux voir si je peux intervenir en m'immisçant un peu dans votre esprit, afin de voir si vous comprenez ce qu'est la véritable réalité. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ce qui va suivre. Vous êtes sûr qu'on est en sécurité ? Vous voyez votre réalité. Oui. Oui, j'ai pris mes précautions. Ça a l'air douloureux. Ça va. Il est extrêmement dangereux. Pour l'instant ? Tout se déroule comme c'était prévu. Absolument tout. Aucun souci à se faire. Je n'en ai jamais douté. Il aurait pu appuyer sur la détente. Vous avez eu de la chance. Ce n'est pas de la chance. Le Goulag 7 a très bien fonctionné. Il a descendu White. Ça devient presque trop facile de manipuler ces opérateurs. Pendant des années, j'ai implanté sans arrêt la vision de votre visage dans sa mémoire. Sachez que j'attends ce moment depuis très longtemps. Votre mort a rendu cet homme complètement insensible. Il était émotionnellement tellement détaché de tout qu'il aurait pu obéir à
n'importe quel ordre que je lui aurais donné. Tout était devenu facile. Il tuait sans hésiter tous les rivaux qui auraient été susceptibles de me faire de l'ombre. Il était devenu une véritable machine à tuer. Vous avez tout prévu. Mais comment pouvez-vous être sûr qu'il va tuer le directeur ? C'est justement là que mon plan est absolument génial. Le fait qu'il vous ait enfin retrouvé lui a redonné l'espoir et l'amour. Et c'est cet amour pour vous, même s'il est fictif, qui fera qu'il va se mettre à haïr le directeur. Tout ça n'est qu'une histoire de programmation mentale. Il détestera aussi l'état qui vous a enlevé à son amour. Je trouve que c'est vraiment génial. En êtes-vous sûr ? Il est devenu une machine à tuer. Alors croyez-vous qu'il sera encore capable d'éprouver de l'amour après tout ce que vous lui avez fait ? En ce moment même, les médecins s'occupent de lui. Ils sont en train de préparer les prochaines étapes de notre plan. Lorsqu'il vous verra, il verra son grand et unique amour. Il sera prêt à tout pour qu'il ne vous arrive rien. Et ça, ma chère, ça fait de lui l'arme parfaite. Il est convaincu qu'il se bat pour une juste cause. Pour quelque chose de bien. Quelque chose qui s'appelle l'amour. Une fois que Condor aura tué le directeur, nous démasquerons les rebelles en faisant savoir qui ils sont en vérité et nous deviendrons les héros de l'État. Je deviendrai alors le leader incontesté qui va sauver le monde. Avec vous. Vous à mes côtés. Ça, c'est votre vérité. Est mort ? Est-ce que le directeur est mort également ? Est-il mort ? Est-ce que vous avez vu son cadavre ? Ouais. Vous savez ce que ça veut dire ? Nous allons annoncer la nouvelle à notre peuple. Le règne du directeur est terminé. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et l'avenir de Nina ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Eh bien... J'imagine qu'elle va être à vos côtés. Tu es au courant de tout. Je le vois dans ton regard, il a changé. Je ne ressens plus cet amour que tu éprouvais pour moi. Je n'avais pas le choix. Il m'y a obligé. Il faut que tu me croies quand je te dis que je n'ai jamais cherché à te nuire, ni même à te trahir. Je savais pas qui t'étais. Mais aujourd'hui, je le sais. Et Le passé est peut-être un mensonge entre nous. Mais ce qui vient de se passer n'en est pas un. C'est la réalité. J'ai tué cet homme. Pour toi, pour te sauver la vie, comme toi tu le ferais pour sauver la mienne. Je t'en supplie, Axel. Dis-moi qu'il nous reste une chance. Tu sais que je t'aime. Et ça, c'est pas un mensonge. C'est trop tard.
Le monde est un endroit froid. Venez vous asseoir afin de vous réchauffer. J'arrête tout. Vous avez fait ce qu'il fallait, Condor. Je suis très fier de vous. Et encore, ce n'est que le début. J'ai de grands projets pour vous, et le premier sera de vous nommer contrôleur. Je ne suis pas intéressé. Ce n'était pas une question, Condor. En réalité, je vous donnais un ordre. L'État a besoin d'hommes comme vous auxquels on peut faire confiance. En tant que contrôleur, vous aurez respect, fortune et privilèges. Votre famille ne manquera plus jamais de rien. Ma famille? Je n'ai pas de famille. Je crois que vous avez besoin de vous reposer. Il faut vous remettre sur pied. Nous allons vous envoyer en vacances et vous donner une récompense pour votre loyauté. Je connais une île paradisiaque. Vous allez récupérer. En fait, vous étiez au courant de tout depuis le début. Nous avions des doutes depuis quelque temps. Mais ce n'est pas le premier à trahir. Et ce ne sera pas le dernier. Et la femme? Nous savions qui elle était quand nous l'avons recrutée. Comme nous savons qui vous étiez quand nous vous avons choisi. Nous savons toujours tout sur tout. Aujourd'hui, nous buvons à l'avenir. Et à cette nouvelle chance qui est la vôtre. Vous avez raison. J'ai de la chance d'être ici. Le seul problème, c'est... ma véritable nature. La seule chose que je sais vraiment faire. C'est tuer. Chasser le naturel, il revient au galop. Malheureusement. Notre nouveau symbole de l'espoir.
Mon cher frère. Mission accomplie, monsieur. Presque. Tu as accompli un travail formidable pour moi, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Ça me fend le cœur de te voir dans cet état. Tu m'as donné ta vie, tu m'as tout offert. Mon peuple dit qu'on peut juger la vie entière d'un homme à son dernier soupir. Il ne faut pas seulement vivre honorablement, il faut mourir honorablement. Et c'est ce que tu as fait. Offre-moi une mort honorable. Ton souhait va être exaucé. Venge-moi, cher frère. Yo!